y a un an, je n'avais encore jamais dessiné. Mais à l'école, j'ai appris que pour bien dessiner, il faut bien observer. Je m'appelle Alice de Barry. J'adore dessiner dans des parcs aussi calmes que celui-ci. Je fais des études dans une école d'architecture et de design. Voici l'école bleue. C'est une école d'architecture d'intérieur et de design. J'ai encore 4 ans avant d'y avoir fini mes études. Après, j'aimerais faire de la scénographie. Mon école est très petite, mais très sympathique. Les profs, ils sont très bons. Ici, nous avons la classe de 3e année. Et ici, la préparation, ma classe. Salut Philippe. Salut Alice. Je voulais te montrer mon dossier. Tu veux bien le regarder avec moi? Voici mon dossier, dans lequel se trouvent tous mes travaux intéressants que j'ai faits au cours de cette année. Ouais. Mais comment t'as fait au fait pour faire... Tu sais ça, c'est matière. C'est blanc, toutes ces couleurs. En fait... J'ai utilisé une goutte d'eau, comme ça, hop, dans laquelle j'ai pressé une goutte d'encre, voilà, comme ça. Et puis avec mon pinceau, je pouvais modifier la goutte comme je voulais. J'avais surtout mon talisman, qui m'intéressait bien à te montrer. Tu te souviens? Ah oui, bien sûr, monsieur. J'avais utilisé un flacon. Voici un talisman que j'ai fait avec des objets très personnels. Et je l'ai dessiné comme ça. On a aussi travaillé sur des modèles vivants, et j'adore ça. J'aime beaucoup l'architecture moderne, surtout quand elle est simple. Le pyramide du Louvre, par exemple. J'aime aussi beaucoup le centre Pompidou. L'architecte qui l'a fait a osé faire quelque chose de très original. Voici ma maison, dans laquelle j'habite depuis maintenant presque toute ma vie. J'y suis avec mon père et ma mère. Mon petit frère aussi vit avec nous, il a 13 ans, il s'appelle Charlie. J'ai 2 chats, Garfield et Toubab, qui vivent avec nous. Dans cette rue, c'est très calme parce qu'il y a très peu de voitures. Les enfants peuvent jouer s'ils veulent dans la rue, ça ne pose pas de problème. Voilà, bienvenue chez moi. Maintenant, je vais vous présenter ma mère et mon père. Bonjour, voilà. Salut. Ma mère. Qu'est-ce que tu fais? Les champignons à la grecque. Recette de ta mamie. D'accord, très bien. Elle fait très très bien la cuisine. Merci. Ma mère est institutrice en plus. Elle donne des cours à des élèves en difficulté. Et c'est un boulot très intéressant. Oui. Voilà maintenant mon père, Nico. Bonjour. Lui, il est décorateur dans le cinéma. Et hier, on a fait la fête et tu es un peu fatigué, non? Un peu, ouais. On a fait une belle inauguration d'atelier. Ouais. Avec plein de monde, tous les copains d'Alice d'ailleurs. Exactement. Ma classe. Et on a un peu la casquette ce matin, mais ça va. Exactement. Maintenant, je vais vous présenter mon petit frère. Non, parce que moi j'ai la monture fantasmatique et je t'empêche. Mais non, non. Salut les garçons. Je comprends pas que les gens. Salut. Bonjour. À quoi vous jouez là? Magic. Magic. Et alors, qu'est-ce qu'il gagne? Moi, j'ai plein de cartes, j'ai réussi à gagner la partie. Je triche. Moi, je triche pas. Arrêtez de dire que je triche. D'accord. Je vous présente mon petit frère, Charlie. Il a 13 ans, il est en 4e. Salut. Il est accompagné de ses deux amis, dont Arsène. Bonjour, qui est un tout petit peu plus jeune, et Antoine. Salut. Ils sont tous les trois des grands fans des cartes Magic et ils y jouent très régulièrement. Je vous emmène dans ma chambre. Bah voilà, non, mais non. Je mets le saut sur. Je mets une embuscade d'éléphant. Non, non, je mets une embuscade d'éléphant et je mets le saut dessus. Non, donc, c'est du coup, à moi je te prends force de la nuit. Voilà ma chambre avec tous mes centres d'intérêt. J'ai ici un coin de rue gris où je fais beaucoup de tricot en fait.
Ça, c'est un petit tricot que j'ai fait pour l'hiver, c'est pour avoir chaud. J'ai aussi un coin lecture par là-bas. Je lis beaucoup de romans qui sont d'actualité, très peu de policiers. J'ai aussi un coin musique, bien entendu. Et là, j'ai une maquette que j'ai faite à partir d'une peinture de Kandinsky que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai interprétée à ma façon, en fait. J'aime beaucoup la peinture, mais j'aime aussi beaucoup l'architecture moderne. J'habite à Noisy-le-Grand, à 30 km à l'est de Paris. Ma ville est jeune et a beaucoup d'architecture très moderne. Nous sommes 80 000 habitants. Les bords de Marne et mon quartier sont les coins les plus jolis et les plus calmes. Très gentil, et surtout je pense que j'ai préféré, c'était quand ton père a joué avec son groupe, c'était vraiment très très bien, vraiment beaucoup plus, ouais. Et c'est bien qu'il ait rejoué après dans la soirée aussi, il s'est reparti. Ma meilleure amie s'appelle Diamana, on a été en classe ensemble, on a beaucoup rigolé toutes les deux. La musique était géniale, c'était vraiment très bien. Aurélie, tu te souviens quand je t'avais présenté, elle habite là-bas, elle aussi peut-être qu'elle va venir à la randonnée, derrière la péniche noire et rouge. Regarde. Qu'est-ce que c'est? C'est mon lycée, l'année dernière. C'est bizarre. Oui, je sais. Il est en fait l'architecte. Il a voulu faire un bateau à l'envers, donc on comprend pas très bien ce que c'est quand on le voit comme ça. Comment ça s'appelle? Le théâtre. Le théâtre? Ouais, je sais. Parce qu'en fait, au centre, c'est organisé comme un théâtre. Ah, c'est bizarre. Et c'est une usine? Non. C'est un bâtiment où des gens habitent, tout simplement. C'est un immeuble. Ah, c'est bizarre. J'aime bien. Moi aussi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est des camemberts. Comme le bon vieux fromage français. Exactement. Bon vieux fromage français tout rond. Et ben c'est pour ça qu'on a appelé ces bâtiments les camemberts. Et comment c'est à l'intérieur? C'est très très beau. Très très beau. J'aime beaucoup. C'est des habitations aussi? Oui. C'est des habitations. C'est des gens qui habitent dans des appartements qui sont sur deux étages en fait. Des duplex. Ouais, j'aime bien, c'est sympa. Moi aussi, j'aime bien. C'est une catastrophe. Une catastrophe, Majesté. Que se passe-t-il? Demande le roi calendrier. Pour me gagner un peu d'argent, tous les mercredis, je vais chercher une petite fille qui s'appelle Sarah. En attendant ses parents, nous faisons ses devoirs. Donc tu te souviens, janvier 31, février 30. Non, Oh, autant pour moi. Excuse-moi. Février 28, exactement. Pour mars. Mars 31. Avril 30. Ouais, je pense que tu as compris la règle. C'est bien. Oui, une salade, parce qu'il fait chaud aujourd'hui. On regarde la suite. On a qu'à aller voir, ouais. Voilà la rue Mouffetard, derrière moi et devant moi. J'aime beaucoup venir ici, elle est très commerçante, il y a souvent beaucoup de monde et j'y viens aussi beaucoup avec mes amis. Bonjour, monsieur. Bonjour. Une sucre, mec. T'en veux? Moi, une sucre cannelle. Voilà. Merci. Ah, c'est du beurre salé. Merci. Waouh! Plus tard, j'aimerais beaucoup trouver une troupe de théâtre avec qui travailler pour être scénographe. Et en plus, on pourrait aller au travers de la France et de l'Europe. À bientôt.